Call Europe, New York Call Europe, Special Service News. Hello, London. Verdun is the winner. Remember what I said, Johnny? Send me the £5 tomorrow, will you? New York Call Europe, New York Call Europe. Hello, Madrid. Hello, Madrid. El francese Marcel Cerdan ha obtenido el campeonato del mundo. Lo has perdido, Antonio. New York Call Zurich. Der Franzose Marcel Cerdan ist Mittelgewichtsweltmeister geworden. Du hast verloren, Schätzeli. New York Call Casablanca, New York Call Casablanca. Hello, Casablanca, Marcel Cerdan est champion du monde. Vous avez gagné votre pari, George. Je vous envoie vos 5000 francs en chewing-gum, voulez-vous? Marcel m'a chargé de toutes ses amitiés pour ses amis de Casablanca. Voici la base de départ du bombardier marocain Marcel Cerdan. Casablanca, une des plus belles réussites de la France d'outre-mer. On se rencontre dans le cadre intact des coutumes islamiques, des traditions européennes et le dynamisme américain. Minarets, buildings, calèches et pacards, milliardaires et cireurs de bottes, parfums d'Orient dans de modernes avenues, on y parle toutes les langues et aussi bien celles du sport. Tout le monde y ressent les succès du grand champion. Il aime cette ville et elle le lui rend bien. Si vous êtes de passage à Casa, un soir de grand match, entrez dans un bar et essayez de parier contre Marcel. Vous serez surpris du confort des hôpitaux municipaux. Mais regardez ces braves gens. Que diable viennent-ils faire à Casablanca? Nom d'arrivée, nous ne connaissons presque pas cette ville. Nous ne resterons que 24 heures avant de nous embarquer pour l'Europe. Nous espérons cependant arriver à approcher Marcel Cerdan. Un peu gênante cette plume, mais tellement new look. Le mari peut protester, ça ne sera jamais aussi fort que le poulet à qui on l'a emprunté avant de partir. Voulez-vous me permettre de vous présenter? Monsieur et Madame Petit Bidois, jeune marié, jeune fermier, supporter fanatique de Marcel Cerdan. Madame, parce qu'elle trouve qu'il est presque aussi fou. Et Monsieur a dit. Lorsqu'ils écoutent ses combats à la radio, elle tricote à l'envers et lui boxe contre l'armoire. La plus dure victoire de Marcel lui a valu deux foulures et une grosse bosse. Un pot de confiture qui, en tombant, l'avait mis knock-out. Il s'agit maintenant de partir à la recherche du champion. Casablanca est vaste. Et nous avons peu de temps devant nous. Commençons par acheter sa photo. Peut-être n'en a-t-il pas toujours sur lui, comme ça, à distribuer au premier venu. Pendant ce temps, nous autres, petits malins, nous avons déjà trouvé Marcel. Et en pleine action. Sac de sable. Punching ball. Ailleurs, ce bâtiment pourrait être une gare ou un musée. À Casa, c'est un des plus petits gymnases de la ville, ou presque. Une usine d'athlètes, une manufacture de champions. Inutile de vous dire, mesdames, que la police surveille très attentivement la sortie de ces beaux jeunes gens. Enfin, la buvette des sportifs. Voici le poids lourd Hanche. Antoine et Marcel Cerdan, l'arbitre Biscuit. Je ne vous donnerai pas la recette de ce mystérieux breuvage que Marcel semble tant apprécier, sinon vous pourriez tout démolir dans la salle. Non, ce ne sont pas des adversaires de Cerdan qui s'enfuient à bicyclette.
mais d'autres sportifs casablancais qui s'entraînent également. En échange de la démonstration de Marcel dans leur domaine, il va les inviter cordialement à faire un round ou deux, un de ces jours. Dimanche prochain, Marcel, dimanche prochain. Monsieur Périclès, un solide pilier de la pétanque casablancaise. Marcel joue avec tout le monde à Casa, mais pour trouver quelqu'un qui veuille jouer avec lui, il se déplace en Europe, en Amérique. Il est très très difficile. Au bar, et Monsieur Miaz, un athlète complet et un entraîneur de classe. On se précipite sur Cerdan pour lui serrer la main. Sait-on jamais si sa forme était contagieuse. Entraînement entre Cerdan et Hanche, le poids lourd. Entraînement ou pas, un seul de ces coups pourrait aplatir une boîte d'ananas. Envoyez donc ici votre percepteur s'entraîner un peu. Sont sur la piste. Matériel complet de chasseur d'autographes. La photo dans le sac, la plume au chapeau et le sourire en guirlande. Comme quoi, moins on a de chances de recevoir de mauvais coups, plus on peut en donner de bons. Monsieur, nous désirons voir Monsieur Cerdan Marcel, un grand monsieur fort frisé. Vous voyez de qui nous voulons parler? Comment on ne peut pas entrer? Mais nous n'avons pas une minute à perdre. Eh, madame, où allez-vous? Ah, mais voyons, monsieur, c'est insupportable. Oh, il est temps de donner une leçon à ce malappris. Gauche, une droite contrée. Ah, 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 un de chute, monsieur Petit Bidois est à terre pour le compte. Si nous cherchions un endroit pour célébrer cette brillante démonstration. Mmh.
dans cette brasserie, très accueillante, ma foi. Le propriétaire en est un certain Cerdan, qui est à ce moment perdu champion du monde, poids moyen. Voyons, mes amis, ne soyez pas si découragés. Il vous reste quelques heures pour approcher le grand homme. Oh, je sais bien que vous n'avez aucune chance de le rencontrer ici. Pensez donc. Un sportif comme lui ne met jamais les pieds au café. Il n'y met jamais les pieds en client, mais le commerce a des obligations. Le poker dice, par exemple. Le revoici à l'entraînement, avec son frère aîné Antoine. Je pense que vous êtes de mon avis. Si nous jouons contre eux, laissons-les gentiment gagner. Pas un bal musette, c'est le bistrot des boxeurs, des champions, des tombeurs. Oui da, oui da, oui da. Chez Marcel, Nina la mignonnette, et nos campants l'amour de Joe et de Poirot. Oui da, oui da, oui da. Et la grosse Antoinette, pauvre son cœur, ma soc a dédé le poids corps. Même pour les champions, l'amour c'est le plus fort. Quand on aime, après tout, c'est du sport. Quand on aime, après tout, c'est du sport. Voici une jeune personne qui a une manière très convaincante de demander un autographe. Moi qui vous parle, 1m60, 42 kilos. Pour une femme qui me demanderait le mien de cette façon, je les provoquerais tous à la fois. Delannoy, Tony Zell, Joe Louis, tous. Et je leur dirais même d'amener leurs petits camarades. Eh oui, c'est Miss Maroc. Quand on pense qu'il y a des gens pour prétendre que le Maroc est une terre aride. Ah, si cette autre jeune femme s'en mêle, cette fois, je provoque tous les catcheurs d'Europe et les lutteurs d'Amérique par-dessus le marché. Oui, monsieur Cerdan. Inutile de rire si fort. Vous n'avez jamais vu tordre une épingle à cheveux. Du reste, la place de champion sera bientôt à prendre. Les femmes, le jeu,